Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'aventure Ratchet & Clank. Alors on se retrouve sur Rilgar, notre nouvelle planète de la journée, de la vidéo. Le bazar est en train de sauter, non mais t'es sérieux là? Non 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 non. J'avais pas vu le Poiscaille. Alors je fais quand même pas mal d'erreurs. Merde. Je fais quand même pas mal d'erreurs, mais après quand tu vois l'ensemble les niveaux, c'est vraiment pas dur. Alors là, je peux pas le casser. Le poisson, il est crevé. D'accord. Après, tu reviens quand même pas mal de fois sur tes pas. Ne serait-ce que pour trouver les objets, hein, les boulons, etc. Les trucs verts comme ça, en fait, ça me fait penser à Grotanmorph, tu vois, dans Pokémon. Ouais, je sais, je suis un vieux de la vieille dans Pokémon. Oh putain, comment faut aller vite. Alors tu vois, t'as ta vie d'énergie qu'elle descend super vite. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors tu vois là, à un poil de cul, j'avais fini. À un poil de cul, j'y serais arrivé. De toute façon, tu peux aller encore plus vite que ça. Hein. Mais plus tu vas vite. Et plus tu perds... Plus l'eau elle va monter vite si tu préfères. Putain, j'ai du mal à trouver mes mots. En même temps, je fais cette vidéo, il est 3h au matin. Alors on essaie d'aller le plus vite possible et le moindre obstacle en fait, c'est ce qui fait et qui va te faire perdre les secondes précieuses, tu vois, à ta vie. Tu vois, là, à une seconde près, tu vois, je me faisais avoir. Voilà, ça s'ouvre pas.
Donc là, j'ai tous les boulons. Il faut aller. Faut aller là. Et normalement, j'aurais fini. Enfin, j'aurais fini cet endroit-là. Après, je vais aller de l'autre côté. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Reste sur tes gardes, Planck. Ok. On peut aller à l'intérieur. On peut aller à l'intérieur. Alors tu vois, je sais plus c'est dans quel monde, je crois que c'était dans le deuxième. Et on avait des endroits où on pouvait pas du tout passer. Et grâce à ce crocheteur, on pourra accéder à ces endroits. Donc là maintenant, il y a vraiment plus de... Bah, il y a quasiment plus rien où tu peux passer. Où tu peux... Tu vas être bloqué. Donc là, c'est simple. C'est le premier. Ok, donc là je peux pas accéder. Il y a des trucs, des fois c'est chelou, hein. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, tu reviens à ton vaisseau pour repartir de l'autre côté, tu vois, par là-bas. Là, les mecs, ils ont que dalle en vita. Moi, je viens de là-bas. Ok. Alors là, le ménage y a été vite fait. Alors c'est ce que je te disais en début de let's play. Cette arme là, en fait, c'est encore mieux. Et là, elle est vraiment augmentée au minimum. Une fois que l'arme, je vais l'avoir au maximum, ben laisse tomber quoi. Voilà, ça va. Là, je viens de là, moi. Ok. Donc, c'est à droite ou à gauche? Voilà, je peux pas y accéder. Je viendrai tout à l'heure. Eh merde. Je vais me faire bouffer. Ouais, d'accord. Putain, j'ai été trop vite, quoi. Le gros biton. D'accord. Oh, bon, on va acheter le gros biton. Je vais le mettre à la place de quoi, lui?
Et la prochaine arme, c'était. Je crois que c'était 18 000 ou 16 000, je sais plus. Voilà, de ce côté-là, j'ai fait le ménage. Je vérifie quand même qu'il n'y a plus rien à récupérer. Pour pas revenir dans le monde, tu vois, juste pour aller chercher une arme ou parce qu'il manque un boulon, etc. Tu vois, ça me ferait chier de recommencer un monde parce qu'il te manque, il te manque un petit truc que t'as pas ramassé, tu vois. Juste pour ça. Ouais, là je recommence en fait. D'accord. Bon bah c'était juste pour ça. Là, comment il faut faire? Pas comme ça. Alors le gros viton, comme il l'appelle, c'est bien, c'est parce que en fait tes ennemis pendant 5 secondes vont se mettre à danser. Il y a certains ennemis, ça met plus de temps, ils sont vraiment assez compliqués à tuer pour des personnes qui sont pas l'habitude. Donc n'hésite pas à l'utiliser, franchement il est vraiment pas mal. Alors là, non là, j'allais dire là c'est de où je viens, mais non je viens pas de là, je viens d'au-dessus moi. Là, c'est où il y avait les gros. Ok. Donc nous on doit aller par là-bas. Alors comme je te dis, hein, c'est vraiment ceux-là les plus durs à avoir.
Alors là, t'as le boulon qui est là. Je te montre la petite astuce. Alors t'as une astuce, c'est celle-là. Enfin, si j'y arrive. Et merde. Oh bah on va recommencer. C'est le seul endroit de façon où tu peux grimper au-dessus. En fait, tu peux peut-être de là-bas, mais je suis pas sûr. Bon, bah, on va aller voir. Non, là, tu vois, tu peux pas. Bon, on va essayer juste pour le boulon, hein. Là, je me casse la tête parce que, bah voilà, j'essaye quand même de faire le jeu à 100%. Même si je vais pas te le montrer en vidéo que je fais le jeu à 100%. Ou je te montrerai. Ah, peut-être je te montrerai à la fin que j'ai fini le jeu à 100%. Mais voilà, là, tu vois, c'est plus. Putain, c'était tout con en fait. Ouais, je parle pas beaucoup, je commence à fatiguer en fait. Bah en plus j'ai travaillé de nuit. J'ai travaillé de nuit, j'ai pas beaucoup dormi, je suis sorti avec une amie. Donc ça commence à fatiguer un petit peu, je commence à avoir les yeux qui tirent énormément. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon là je te fais ce let's play. Maintenant, il va avoir du let's play, il va avoir de la compile, il va même avoir le mode. Il va avoir le mode histoire dans Dofus. Bah, le mode histoire, je vais faire les techniques Kama, etc. dans Dofus. Et il va avoir de la compilation un petit peu partout, tu vois. Tout ce qui va être Rocket League, etc. Surtout que maintenant, on attrape un bon niveau avec, avec Grazy. Donc voilà, le but, franchement, le but pour cette chaîne, pour la chaîne Shirika, ça va être de s'améliorer au maximum, ça va être de faire un petit peu de tout, quoi, de se diversifier. Bon, du coup, on va faire les trois courses, hein. Là, tu vois que là, il y a des difficultés. Ils ont commencé à mettre quelques petites bombes. Avec toutes les bombes et tout, c'est vraiment pas évident. Alors là, tu vois que je suis à la course argent. Et la course dorée, elle est encore plus dure.
Voilà, j'ai même battu mon premier temps, je sais pas comment j'ai fait. Bon, maintenant, je vais remporter la coupe d'or. Et après, ça devrait être bon. Alors là, ça s'appelle avoir une chance de cocu. Oh putain! Et j'ai battu encore mon temps de 2-3 secondes. On devrait retourner au vaisseau. Bon, ça c'est fait. Du coup, on va continuer à faire un petit peu le monde. Alors, comme je te dis, quand tu casses vraiment tout, quand tu ramasses vraiment tout, t'as assez pour acheter toutes les armes. Alors s'il te propose deux armes, tu vas avoir largement assez. Hey, tu veux participer à nouveau? Je sais que ce n'est pas en gardant tes boulons que tu feras vivre. Les commerçants, viens acheter un pixeliseur, tu ne le regretteras pas. Non, c'est ce que je te disais, hein, tu vois. Bon, bah, normalement on a fini. Je fais quand même le tour au cas où. On vient de là. Là, c'est pas là. Bon, on a gagné la course. On va aller chercher l'arme tout de suite avant de l'oublier. Et on va améliorer les armes. Bon, on améliore d'abord celle qui me sert le plus. Pour le moment, les autres, elles me servent strictement à rien. Voilà. Amuse-toi bien avec ton pixeliseur. Donc on a trouvé. C'est un gadget important sur la nébuleuse G34. Alors là, il reste... Ok. Donc on va aller sur la nébuleuse et ça sera notre prochaine vidéo. Nébuleuse G34. Ok, ça va être un petit peu différent, enfin j'espère. Là c'était principalement de la course, on n'a pas eu grand chose à faire. On arrive quasiment à la moitié de cette mission. Clank et moi sommes en position et prêts à lancer l'opération étoile filante. Donc c'est la fin de cette vidéo, je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. C'était Chirika.